Et c'est les amis, c'est Firestorm et Extra-Solicette sur la chaîne de Xtorm. Oui. On se retrouve pour une vidéo où on va faire un genre de quiz. Ouais, pour, quiz un, peu challenge. Tester, pour un peu tester notre amitié. Voilà, on passe plutôt ce concept. Xtra77 l'a tiré d'une vidéo de Sifado. Voilà, enfin, alors, ouais, un peu. Alors, dans quel film voudrais-tu aller? Alors. A. 50 nuances en incarnant Grey. B. Dragon Ball Evolution en étant détesté. C. The Conjuring en étant le bébé. D. Jumanji en étant l'archéologue. Donc la fille qui est sortie en archéologue. Ouais. Alors moi... Qui utilise la première fois, ouais, pour la première fois de sa vie un pénis. Voilà. Alors moi, je vais choisir une des quatre questions. Je vais pas vous dire. Et lui va devoir la deviner. Si, bah, il a raison, voilà. Et après, ce sera lui de poser la question et moi, je devrais deviner. Alors... Moi, j'ai trouvé. Moi, j'ai choisi. Donc, à toi de dire ce que moi, j'ai choisi. T'as choisi le A. Ouais. T'as raison. Voilà. À moi ? Oui. En fait, j'hésite entre deux. Bah, vas-y, dis celui que tu peux. De toute façon, il sera meilleur que moi. Enfin, il connaîtra plus notre amitié que moi. J'irai Jumanji. Oui ! Allez ! En fait, j'hésite aussi entre Conjuring. Ah non, Conjuring, j'aime pas trop les films d'horreur, tu sais bien. Ah bon, ça va. Donc, la deuxième question. Quel objet voudrais-tu être ? A. Un goût de Michel. B. Un balai. C. Une passe à l'âge. D. Un string à béton. Non, vous avez vu ça pas à ta face sur Google et taper string avec. En gros, c'est un genre de string avec des bretelles qui remontent jusqu'au pec. C'est ça. Et qui passe par les épaules, c'est dégueulasse. Ah. Alors, bah moi j'ai choisi, tu vois, je pense sans doute deviner. Moi, je te dirais que tu serais le D. Non. Tu étais le A. Ouais. Dommage. J'étais le A. Et toi ? J'étais aussi en 2. Vas-y, dis. Non, en fait, je dirais le A. Non, j'étais le C. La passe à l'âge. En fait, au début, j'étais entre le balai et la passe à l'âge. Je me suis dit, attends, peut-être qu'il y a un peu le goal, Michel. Peut-être que, non. Alors, la voiture que tu voudrais avoir ? Ferrari, la Ferrari. Une belle Ferrari. Lamborghini Veneno. Fiat Multipla. Ou trottinette bon marché. Alors, moi, tu vas voir si tu vas se trouver. Vas-y. Je dirais C. Non, c'était D. La trottinette bon marché. Parce que j'ai pas moyen de m'acheter une voiture comme ça. Donc je prends les trucs qui me tombent sur la main. Vas-y, à toi. À toi. Moi, je dirais la Lamborghini. C'est faux, c'était la Fiat Multipla. J'adore la Fiat Multipla. Ah, j'allais dire, toi, en plus, t'as pas d'argent. Alors, cette fois, celle-là, c'est moi qui l'ai choisi, je t'avoue. Qui baiserais-tu dans ta famille ? A. Ton père. B. Ta mère. C. Ton cher. Car il fait partie de la famille. Et D. Ta grand-mère. Alors, moi, j'ai choisi. C. Ouais. Et à toi, alors ? T'as choisi ? Oui, oui, j'ai choisi. Ben, chien. Ton chien aussi. Oui. En vrai, j'ai deux sortes de ta mère. La vidéo ne durera pas longtemps, les gars, mais bon, voilà. Ton sport préféré ? A. Le football. B. Le basket. C. La muscu. D. L'athlétisme. Moi, j'ai choisi. B. Non, ça c'est maintenant. Non, ça c'est. A toi, bah, je dirais D. Ouais. Ça, c'est pas trop compliqué. Vu que c'est le seul sport que j'ai jamais pratiqué, à part la piscine. Alors, ton animal favori ? A. Le lapin. B. Le chat. C. Le chien. D. L'araignée. J'ai choisi. Seulement si je peux me réincarner en rêve plus tard, j'ai choisi. Toi, c'est D. Ouais. Parce que je l'ai. Alors, je vais la faire souffrir. Ton animal favori, quand même. Hein. Ouais, mais je l'ai, donc j'aime bien la faire souffrir. Donc, c'est la favorite parce que j'aime bien la faire souffrir. D'accord. Oui, je suis con. Bah, moi, je dirais B. Dommage, c'était ah. C. Ah, mais en fait, j'hésite vraiment entre les deux, vu que t'as les deux, en fait. Ton jeu vidéo préféré ? A. Assassin's Creed Origins. B. Fortnite. C. Star Wars The Old Republic. D. Skyrim. Alors voilà, c'est pas compliqué. Toi c'est le A. Bien sûr. Et toi c'est le C. Exactement. C'était vraiment pas compliqué. Là c'est encore de moi, je t'avoue. Où préfères-tu faire l'amour ? A. Dans l'avion. B. Dans une cabine d'essayage. C. Dans la toilette publique. D. Dans le lit de tes parents. Bah moi j'ai choisi. Le A. Non, c'était le D. Mais c'est vrai que, en fait, j'aimerais bien le faire dans toutes. Pour essayer. Juste pour essayer. Alors, toi, ce serait aussi dans le D ? Oui.
C'est étrange, moi je te voyais plus faire l'amour dans un lieu. Waouh, it's strange. Ouais, mais tu vois, je voulais pas. Quel est ton super pouvoir favori? Voler, maîtriser une magie élémentaire. Devenir invisible et avoir des capacités physiques surhumaines, donc un peu à la Spider-Man. Mais sans les toiles. Ouais. Sans les trucs classe, tu vois. Sans les trucs qui te permettent de style. Bah vas-y, à toi. Moi je dirais que ce serait le C. Non, c'est le D. Et toi. Je sais pas, moi tu m'as toujours dit que tu rêvais de devenir invisible pour rentrer dans les toilettes des filles. Ça, c'est vrai aussi. Toi, je dirais B. Ouais. Toi, t'es dans la magie alimentaire. Quel adjectif te qualifie le mieux? A, gentil. B, drôle. C, colérique. D, intelligent. Bah en fait, perso. Mais en fait, c'est. Perso, c'est... en fait, je suis dans aucune de ces trois là pour moi. Perso, moi, je me trouve dans aucune de ces quatre. Tu vas dire aucun de ces trois. Ouais, mais je vais dire aucune de ces quatre. Ok. Toi, ce serait. Le A. Je dirais. Bah. T'avais pas choisi? En fait, j'hésite. Mais ouais, je pense plus pour le A. Et toi, ce serait. Je dirais drôle. Oui, j'espérais que on dise que pour une fois, on est mort de beauf. Il est qualifié de drôle, ok? Ah, c'est ta bête qui est beauf. Elle est beauf. La beauf. Ma bête, elle est beauf. On recommence. Allez. Bon, allez, c'est la fin de la vidéo. Ouais. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à faire le test toi aussi. Avec ton meilleur ami, bien sûr. Ouais, enfin, c'est nous qui avons inventé les questions, mais vous pouvez les utiliser si vous voulez. Ouais, pas de problème. Alors moi, je vous dis ciao, à la prochaine. Ciao.